Finalement, quand on écoute ces pages que nous jouons avec Magali Léger, on retrouve assez l'atmosphère de ce retable d'Isenheim, où finalement, ben, une fois que la foule est partie, une fois que la crucifixion a lieu, et ben, il n'y a plus que les très proches qui restent. Et donc, évidemment, il y a Jean, il y a Marie, et Marie-Madeleine. Et on a l'impression qu'en petit groupe comme ça, à 6, donc les 5 instruments plus la voix, on recrée cette sorte d'intimité dans la douleur, dans la souffrance. Il y a peu d'exemples comme ça de Stabat Mater, pourtant Dieu sait s'il y a des chefs-d'œuvre qui nous montrent cette intimité-là et ce côté infiniment touchant et fragile en fait.